Son geste courageux valait bien une médaille. Et on te remet la médaille de la ville, bien méritée. Merci à toi, Mohamed. Merci. À seulement 12 ans, Mohamed est le héros de la commune de Limay. Le samedi 24 juin, la ville est en fête. Des animations sont organisées en bord de Seine. Mais sur les berges, un enfant de 8 ans glisse et tombe dans l'eau. Un adulte tente de lui porter secours et se retrouve à son tour en difficulté. J'ai entendu des cris d'enfants. Moi, je n'ai pas hésité, j'ai couru directement. Mohamed plonge et attrape l'enfant. Et je le gardais comme ça. Comme ça, lui, il ne boit pas l'eau. Je l'attrapais comme ça. Après, j'avais vraiment plus de respiration. J'ai nagé jusqu'à là et je l'ai posé. Et après, le monsieur, il était vers là. Je l'ai poussé comme ça, lui aussi, il remonte. Et moi aussi, je suis remontée. À la force de ses bras, il porte les deux victimes sur les quais, saines et sauves. Son père ne cache pas son émotion. Mon fils, je suis très fier de lui. Voilà. Je ne m'attendais pas à un geste pareil, quoi. Impressionné, les policiers lui offrent même un écusson pour le récompenser. Dans les rues de la commune, le petit sauveteur ne passe plus inaperçu. Il est là, le héros. Il est là. Je sais pas comment il a fait pour plonger jusqu'à là-bas, mais en tout cas, comme je le dis à chaque fois que je le croise, chapeau. Ah, t'as sauté dans la Seine pour aller les sauver? Ouais. Ah, quand même. C'est un acte héroïque. Est-ce le début d'une vocation? Mohamed hésite. Plus tard, il aimerait être pompier ou peut-être pilote de ligne.